Soyez les bienvenus. Bienvenue depuis l'église Saint-Léonard pour ce culte de Pentecôte de la CERFSA. Nous sommes ici à Bâle. Je suis le pasteur Michel Cornu, pasteur de l'église française de Bâle. Et moi, je suis la pasteur Evelyne Dienstag et nous nous réjouissons beaucoup de célébrer avec vous ce culte. Bonjour et bienvenue dans l'église française de Berne. Je suis le pasteur Olivier Schopfer. Et j'ai le plaisir de vous accueillir ici, dans le cœur de cette église. De l'autre côté, derrière moi, il y a la nef de cette même église avec son magnifique jubé. L'église a été construite à la fin du XIIIe siècle par les Dominicains et elle est un bijou. C'est la plus ancienne de la ville de Berne et c'est là que je présiderai ma part de ce culte. Bonjour, je suis le pasteur Edouard Esbanti de l'église française de Saint-Gallen. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre église de Saint-Mangen à Saint-Gallen, lieu de culte pour notre communauté francophone et francophile. Et nous sommes heureux de partager ce culte de Pentecôte avec vous. Je m'appelle Edith von Dart, je suis la présidente de l'église française à Schaffhouse. Nous nous trouvons ici dans la chapelle qui fait partie du complexe, c'était un cloître, tous les saints. Et j'ai le plaisir de vous accueillir au culte de Pentecôte. Au nom du conseil de paroisse de l'église réformée zurichoise de langue française, je suis heureux de vous accueillir toutes et tous à Zurich. Mon nom est Christophe Correr. Mon ministère a débuté ici le 1er mai, après 11 années au service de la paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg. Je me réjouis de vous rencontrer, d'œuvrer avec vous au service de l'Évangile et maintenant de vivre cette célébration de Pentecôte en communion malgré la distance. Thank you.
S'il est parfois difficile de parler, surtout en public, il est encore plus difficile d'écouter. Parler, écouter sont étroitement liés. En effet, il est difficile de parler, non pour soi, mais pour les autres, de savoir leur offrir des paroles importantes, des paroles qu'ils puissent comprendre, des paroles qu'ils puissent entendre. Mais pour leur donner ces mots, pour qu'ils résonnent en eux et les aident à vivre, il faut savoir les écouter. Toi, Seigneur, tu es la parole de Dieu, et à chacune et chacun, tu dis « Ouvre-toi ». Tu délies notre langue pour nous apprendre à parler, tu ouvres nos oreilles pour nous apprendre à écouter, tu nous ouvres à toi pour nous apprendre à aimer. Toi qui nous as convoqués pour ce culte, tu nous accueilles avec des paroles de paix et d'amour, paroles qui nous invitent à nous-mêmes nous accueillir les uns les autres, à nous ouvrir à toi, aux autres, à écouter et nous laisser porter par ton évangile. Le Seigneur est parmi nous. Par son esprit, il nous rassemble et nous unit en Église, malgré la distance, malgré que nous sommes plusieurs Églises. Que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire, que sa parole nous fortifie. Amen. Louons le Seigneur avec ces mots d'Ambroise de Milan. Comme le soleil est une joie pour ceux qui aspirent à sa lumière, ainsi le Seigneur est ma joie, car il est mon soleil. Ses rayons m'ont éveillé et sa lumière a chassé de moi la nuit. Il m'a donné des oreilles et j'ai pu recevoir sa vérité. Il m'a donné l'intelligence et je me suis épris de lui. Ce qui meurt ne compte plus devant mes yeux. Sa parole a ôté sa puissance à l'enfer. Et la vie éternelle a fleuri dans le pays du Seigneur. Elle a été annoncée à ses fidèles et donnée sans partage à ceux qui se confient en lui. Amen. Je vous invite à la prière de repentance. Seigneur notre Dieu, les mots que tu nous dis parfois nous surprennent et souvent nous dérangent. Seigneur notre Dieu, les gestes que tu fais souvent
nous déroutent et nous les comprenons mal. Pourtant, ton message pour nos vies est simple. Ce que tu veux nous apprendre en peu de mots. Que vos paroles soient le fruit de votre cœur. Oui, parler avec son cœur, dire des mots vrais, des mots justes, des mots jaillis du tréfond de notre être. Là où vibre ce qui nous fait vivre. Que vos paroles soient le fruit de votre cœur. Chaque geste nous trahit, le pire comme le meilleur. Ne soyons donc pas trop sûrs de nous, que notre cœur se laisse toucher comme l'enfant qui avance avec confiance. Oui Seigneur, notre Dieu, ton message pour nos vies est simple. Que vos paroles soient le fruit de votre cœur. Amen. La grâce et la paix nous sont données de la part du Dieu qui se révèle au cœur de notre humanité. Il nous remplit de son souffle, de sa vie même, pour inlassablement nous remettre en piste et nous relancer vers la vie. Oui, chers sœurs et frères, à chaque fois que nous nous ouvrons à sa présence, que nous ouvrons nos mains et nos cœurs pour accueillir dans la confiance cette grâce et cette paix. Le souffle de Pentecôte fait de nous des femmes et des hommes debout et libres, ouverts aux autres qu'a priori nous ne comprenons pas. Des hommes et des femmes poussés à aimer, à aider et à se dépasser. Des vivants engagés au service de la vie. Que cette grâce et cette paix nous habitent toutes et tous au quotidien, en tant qu'individus et en tant qu'Église, pour qu'à travers nos mots et nos gestes, le Christ soit manifesté et que le royaume de Dieu grandisse.
Ensemble, nous confessons notre foi. Quelqu'un est venu, petit parmi les hommes. On l'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Je crois en lui. Quelqu'un a grandi parmi les siens. On l'appelle le Messie, c'est-à-dire celui que Dieu a consacré. Je crois en lui. Quelqu'un a parlé de Dieu et a dit que Dieu était notre Père. On l'appelle le Fils de Dieu. Je crois en lui. Quelqu'un est mort et ressuscité pour nous. On l'appelle le Sauveur. Je crois en lui. Quelqu'un a proclamé la bonne nouvelle. On l'appelle Jésus-Christ. Il est notre Seigneur. Je crois en lui. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 57, les versets 15 et 18 à 19. Ainsi parle celui qui est haut placé, élevé, qui demeure à jamais et dont le nom est sacré. C'est dans une hauteur sacrée que je demeure, et avec celui qui est écrasé et dont l'esprit est abaissé, afin de ranimer l'esprit abaissé et de ranimer le cœur écrasé. J'ai vu ses voies, mais je le guérirai, je le conduirai et je le comblerai de consolation, lui et ses endeuillés. Je créai le fruit des lèvres, paix. Paix à celui qui est loin comme à celui qui est proche, dit le Seigneur. Je les guérirai. Corinthiens 1, 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. Jean 14, 22 à 27. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit : Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ? Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Chères auditrices, chers auditeurs, dans ses discours d'adieu à la fin de l'évangile de Jean, Jésus parle de l'Esprit-Saint comme d'une personne. Il annonce à ses disciples qu'après son départ, un consolateur leur sera envoyé. Ce consolateur les enseignera et leur rappellera les paroles de Jésus. Le consolateur est désigné en grec par le mot « parakletos ». Parakletos vient du verbe « parakaleo » qui signifie « appeler quelqu'un au secours »,« prier »,« inviter »,« consoler ». Le paraklet est donc celui qui est appelé auprès de soi et peut signifier aussi bien l'avocate et le défenseur que l'intercesseur et la consolatrice. Dans la préparation de cette prédication, nous avons décidé de nous concentrer sur cette dernière signification, celle du consolateur. Dans cette signification résonnent aussi les autres plus juridiques du défenseur et de l'avocate. Face aux adversités de la vie, n'est-ce pas tout d'abord une consolation, un réconfort de savoir quelqu'un à ses côtés ? Un consolateur, c'est quelqu'un d'un peu plus grand et de plus fort que moi. Quelqu'un qui me soutient quand je suis à bout de force. Dans la lecture de l'évangile de Jean, Jésus enseigne aux disciples de garder l'amour de sa parole au cœur, de continuer de vivre selon son exemple. À chacun et à chacune qui fait cela, Jésus assure qu'avec son Père, il bâtira sa demeure chez elle, chez lui. Il promet qu'après son départ, ils ne seront pas laissés seuls, mais que cette fameuse consolatrice viendra auprès d'eux pour leur rappeler ses paroles. En utilisant le terme « parakletos », Jésus me promet alors que je recevrai exactement l'aide qu'il me faut, le soutien pour lequel je prie. Est-ce donc ceci, être consolé, que de me souvenir des bonnes paroles qui me sont données ? Oui, de me souvenir que mon Dieu et mon Sauveur habitent déjà chez moi ? Cela semble bien simple. Alors pourquoi avons-nous si souvent tant de peine à sentir cette consolation ? Qu'en penses-tu, Michel ? Peut-être parce que nous cherchons trop souvent à nous consoler nous-mêmes par nos propres forces, en voulant être inébranlables. On entend beaucoup de discours de ce type en ce moment, qui nous exhortent à puiser en nous-mêmes les forces nécessaires pour surmonter les épreuves et alors à ne pas montrer de faiblesse. Il me semble que cela peut être un langage très culpabilisant, et cela ne correspond pas aux promesses de l'Évangile. En effet, Jésus, comme tu l'as dit, nous promet un consolateur extérieur qui nous est envoyé d'en haut, qui est un don de Dieu. Et le fait que le terme parakletos soit au passif est aussi riche de sens. Celui qui est appelé pour nous venir en aide, nous assister, nous réconforter. Si nous cherchons à nous consoler par nous-mêmes, à être forts, à nous blinder face aux épreuves, alors nous n'avons plus besoin d'appeler à l'aide.
la prière est alors inutile. Et donc nous ne percevons plus ce consolateur qui répond à nos prières, à notre appel. Dans Ésaïe, nous l'avons entendu, il y a aussi cette promesse de consolation. Dieu, le Dieu élevé, transcendant, se fait proche du cœur brisé, de l'esprit écrasé, qu'il veut ranimer, à qui il veut redonner de la vie. Il n'y a pas l'exigence d'être fort et impassible face aux épreuves, mais plutôt une exigence de vérité, de regarder en face son impuissance, de ne pas avoir honte de son désarroi, de renoncer à tout comprendre, à tout maîtriser, à avoir un avis éclairé sur tout. Oui, un simple cœur brisé, un esprit abattu qui appelle à l'aide. Le terme de prière a la même racine que le mot précaire. Celui qui prie est celui qui se sait précaire, fragile. Et alors le souffle de Dieu peut faire son chemin dans ses failles, ranimer le cœur brisé, combler de consolation celui qui est à terre, le relever et lui donner alors sa paix et la guérison. Mais cette paix du cœur, donnée à celui qui appelle à l'aide, qui est promise tant par Ésaïe que par Jésus dans son discours d'adieu, ne signifie pas une impassibilité face aux situations périlleuses que nous avons à traverser. Jésus ne souhaite pas que ses disciples soient des sages, stoïciens, indifférents aux secousses du monde, retirés dans une sorte de tour d'ivoire. L'esprit qu'il leur promet est bien son propre souffle, celui qui le fait tenir dans les épreuves jusqu'à la mort de la croix. Jésus est tout sauf impassible, mais il entre volontairement dans sa passion par compassion pour tous les êtres humains. Les discours d'adieu sont d'ailleurs marqués par ce contexte d'opposition. Et si les disciples ont besoin de recevoir le paraclet, le consolateur, le défenseur, c'est bien pour leur permettre de tenir bon dans les persécutions qui s'annoncent pour eux dans les épreuves. Et n'oublions pas non plus la dimension communautaire du don de l'Esprit. Si l'Esprit fait sa demeure dans l'intimité de chaque croyant, il crée en même temps aussi l'Église, c'est bien ce que nous fêtons à Pentecôte, où chacun, chacune peut être consolé et consolé à son tour. N'est-ce pas, Evelyne, une grande aide de savoir que nous pouvons traverser ces épreuves en communauté? En effet, je n'avais moi-même pas pensé que la consolation soit si étroitement liée à la communauté. Une chose me bouleverse à cette idée. Même si Dieu habite déjà en moi, il me faut de temps en temps un visiteur externe qui vient me le rappeler. Un consolateur qui frappe à ma porte et me montre que je n'étais et que je ne serai jamais seule. La consolation que donne l'Esprit Saint est une consolation qui redresse la communauté, qui permet de retisser des liens rompus, qui aide à se réconcilier et à guérir des blessures. Elle me remet en état de ressortir de mon isolation et d'oser de rejoindre les autres. Elle me permet de lever mon regard de ma propre vie et d'apercevoir la situation de ceux qui m'entourent pour devenir consolatrice à mon tour. Ainsi, par l'Esprit Saint, nous devenons des consolateurs consolés, des consolatrices qui connaissent leurs propres besoins de réconfort, des consolateurs qui savent que l'espérance doit être puisée chaque jour à nouveau. De la détresse, nous ne ressortons pas comme neufs, comme si rien ne nous était arrivé. Jésus-Christ lui-même a gardé les marques des clous sur ses mains et ses pieds après la résurrection. Après la guérison d'une blessure, une cicatrice reste comme souvenir des douleurs passées. Une telle marque peut révéler à autrui les mésaventures que nous avons déjà vécues. Être consolé par l'Esprit Saint signifie donc d'oser de regarder la vérité en face et de supporter les traces que la souffrance laisse dans ce monde. Une communauté ainsi consolée peut devenir un lieu de justice et de paix, un lieu au goût du royaume des cieux. Amen.
Je vous invite maintenant à la prière d'intercession.
Seigneur, accorde-nous les yeux du cœur pour apprendre à discerner au creux du quotidien la lente croissance de ce règne de l'amour que tu as semé et qui vient. Donne-nous ce regard de foi qui fait voir dans les événements petits et grands, dans tous les gestes humains, le frémissement de ta présence agissante. Mon Dieu, donne-nous ce regard de foi qui sait voir les discrètes émergences de ton royaume dans l'éclat d'un sourire, dans la simplicité d'un accueil, dans la densité d'un silence, dans la tendresse d'un regard, dans la vérité d'un combat, dans la gratuité d'un partage. Mon Dieu, apprends-nous à voir et à nous émerveiller de toute cette petite graine d'espérance semée dans les foyers, les hôpitaux, les homes, les prisons et même dans les champs de bataille. Gestation secrète de la civilisation de l'amour, semence cachée d'un monde nouveau, celui du règne de ton Père. Alors Seigneur, nous faisons monter vers toi notre prière commune. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.
La prière est une aventure étonnante qui te fait quitter le port douillet de certaines certitudes pour te lancer sur l'océan infini de Dieu. Il t'appartient de hisser la voile, de larguer les amarres, de lever l'ancre, de te mettre à la barre, de t'exposer au vent sur les eaux profondes. Le vent, c'est le souffle de Dieu. Sans lui, tu n'avanceras pas. C'est lui qui t'enlace et qui t'expose. C'est lui qui t'entraîne loin du port et qui t'isole. Mais n'aie pas peur. Il est maître du vent, des courants et des flots. L'océan repose en lui. Et puis, quand tu découvriras que ta fragile embarcation n'a laissé derrière elle aucune trace pour retourner au port, il te sera aussi donné de découvrir, émerveillé, une main amie tenant la barre avec toi. Mais va, mon frère, va, ma sœur, le vent se lève. Laissons-nous bénir par Dieu. Que Dieu bénisse nos intelligences. Qu'il les ouvre pour qu'elles accueillent la joie de son message et qu'elles comprennent les réalités du monde. Que Dieu bénisse nos oreilles, qu'il les ouvre à ce qui est aimable, édifiant et encourageant, qu'il les ferme à ce qui est destructeur. Que Dieu bénisse notre bouche, qu'il l'ouvre pour des paroles sincères, bonnes et apaisantes, qu'il en fasse un sourire. Que Dieu marche devant nous pour nous ouvrir la route, qu'il marche à nos côtés pour nous soutenir, qu'il marche derrière nous pour nous protéger des pensées qui attaquent dans le dos. Que le Dieu de l'espérance bénisse et garde la terre entière et tous ceux et celles qu'il appelle à être ses enfants. Amen.